Allez, c'est reparti. On enchaîne donc sur la suite de cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Il nous faut... Putain, par contre, le grand groupe électrogène, il a déjà 64% de contamination, alors qu'il a rien demandé. C'est fort, ça. Comment ça se fait? Parce qu'il est sur des... Y a pas moyen de nettoyer ces contaminations, là? C'est le nettoyage qui fait ça? Je crois que c'est le nettoyage, hein, qui fait ça. Ok. Grand groupe électrogène, on l'a dit. On va faire une vanne. Oléoduc. Qui tape ici. Les vaisseaux, où est-ce qu'ils atterrissent? Le vaisseau, ils atterrissent. Ils atterrissent là. Donc maintenant, ils vont atterrir ici. Façon, le temps que ce soit fait, le temps que je bouge le reste. De toute façon, je bouge au fur et à mesure. 800 d'acier, je les ai ou pas? Normalement, j'ai beaucoup de ressources. Ouais, j'ai 800 d'acier. Ok, l'énergie devient très importante. Jekyll, t'as l'air en forme. Essaie de recruter Pi. Mais d'où tu as mis c'est une erreur de traduction, ça, je pense. Hein. Je pense que c'est une erreur de traduction. Ouais, en fait, tu sociabilises. Tu n'essayes pas de recruter. Ah, les armures de reconnaissance vont être faites, ça, c'est cool. Enfin, vont être recherchées, du moins. Les zombies reviennent. Ok, c'est bon pour les armures de reconnaissance. Allez, je rappelle les chiens, parce que là, ça sent mauvais là. On rappelle les toutous. On va l'avoir notre bloc de prison. Pam padam pam.
Alors, zone de couverture. Là, je vais manquer, par contre, c'est le chauffage. Le chauffage, ça va être compliqué. En fait, ces couloirs-là vont pas être chauffés. Ça va être considéré comme de l'extérieur ici. Parce que forcément, c'est ouvert avec là. Un radiateur à eau au milieu des ventilations. Et le problème, c'est que j'ai plus beaucoup après, je crois. Hein. Ouais, j'ai plus que 300 unités en capacité géothermique, en chauffage géothermique. 300, 300, ça devrait suffire parce que si je fais si je fais des ventilations entre les deux, je vais mettre un radiateur ici pour ces 4 blocs, un radiateur ici pour ces 3 blocs, un radiateur ici pour ces 2 blocs. Ça fait 300. Les petits ont une capacité de 100, donc on est bien. Donc si je duplique et que je mets le radiateur ici, il va chauffer les 4. Ici, il va chauffer les 3. Ici, il va chauffer les 2. Ou électrique quand on éteint, quand c'est vide. Non, je l'ai pas utilisé ce mode Galgrad. Pour une prochaine campagne, mais le coup du mode qui effectivement éteint les lumières quand une pièce n'est pas occupée, c'est intelligent. Mais je le mettrai pour une prochaine campagne. Là, pour l'instant, on va s'en passer. Ah, la loose Darksider, ça c'est horrible ça. Oh! Un petit trader qui va bien. Ah, puis en plus, si t'as pas de spare, c'est la loose là. Ouais, bon, après, je vais essayer de tout automatiser. Galgarad. Les tuyaux d'eau des prisons ne sont pas reliés. Normalement, tous les plans sont faits. Maintenant, je verrai si c'est bien fait. Alors là, on a Order Trader. En fait, lui, ça veut dire qu'il rachète tout. Tout ce qui traîne, il rachète tout. Il ne vend rien, mais il rachète tout. Donc, c'est utile quand on a besoin de pognon. Là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de pognon. Par contre, j'ai plein de fer, plein de charbon, donc potentiellement plein d'acier. Ah, on a le neuro-entraîneur animaux qui ont été récupérés sur le buffalo qu'a séché Gigi tout à l'heure. Ainsi que le livre de d'artisanat. C'était quoi comme livre que j'avais récupéré moi? J'avais déjà un autre livre, à moins que c'était celui-là. Je m'en rappelle plus. N'importe quoi ce prix. $429 le masque de cheval en Trembro, quoi. N'importe quoi.
On avait récupéré puis revendu des bibles hérétiques, je crois. Livre idéologique. Ouais, mais ça, c'était il y a longtemps, Galgrad. Dernièrement, j'avais pas récupéré un livre? C'est celui de l'épisode précédent, celui-là. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est bien ce qui me semble. Donc, j'ai pas récupéré de livre, alors, sur le Mephalo. Ça devait être sur un Mephalo qui est pas tombé. Est-ce que je vendrais pas les deux canons anti-char, sans déconner? Est-ce que je les vendrais pas? Allez, non, parce que non, 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 parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Si jamais j'ai un gros truc qui m'arrive, que je puisse au moins même déployer à l'arrache, genre la base qui lâche, qu'il faut que je fasse des canons anti-char. Non, je vais pas les vendre. Je vais pas les vendre, je vais pas les vendre. J'ai pas besoin de thunes, en plus je me fais de la thune. Donc non. Non, 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 non. Résistons encore et toujours à l'envahisseur. Ouais, tout à fait, Jekyll. Je l'étais en ce portrait, on peut s'en servir. Ok. Écoutez, j'ai beaucoup de ressources, mais je vais les garder. Parce que j'ai pas spécialement besoin de beaucoup de thunes. Le tissu, je vais garder aussi. Écoutez. Même les petites quantités. Ouais, allez, on va partir du principe qu'on va pas tarder à partir en mode industriel à fond. Donc on va tout garder. Et on fait de la thune. 4800 de thunes. Rentel pour faire monter notre courbe de richesse. Ils ont été positionnés où les canons anti-char? Ah, je pourrais les mettre ici d'ailleurs, tiens. Là, je veux bien. Je vire les armes. Par contre, les trucs structurés, ça, je veux bien ça. Je sais pas où est-ce qu'ils sont les pépères. Ils sont là. Là, tu vois, je vais les retirer d'ici. J'ai déjà peur, on n'a pas de défense pour le nord. Ouais, c'est vrai qu'on s'y est pas trop penché. Encore ce petit problème électrique de nuit. Problème d'instabilité. Va me chercher les composants là, j'en ai des composants. Temps de lancer une bonne fois pour toutes cette histoire là. Il manque de l'acier aussi. La foreuse à plasma. La foreuse à plasma, elle m'y mène plus. Mais lol. Parce qu'on a tous les émeraudes, on a tout le sel. Mais que demande le peuple? De l'émeraude. Le peuple demande deux émeraudes. C'est la fin du monde, mais on veut du caillou qui brille. Il pompe combien d'élect nos derniers automates? Alors, 800 par bras.
Ce qui est énorme. Ici, 3000. C'est lui hein, qui mange tout. Lui, il fait très mal. Lui, il fait très, très, très mal. La forêt à plasma fait très, très mal. Et lui, il va consommer beaucoup aussi. Lui, il est à 750, mais... c'est pour ça. Ça marche, Kangan. Ciao, ciao, repose-toi bien. Un chef-d'œuvre. Iggy a créé un kit d'eau, sac à tissu, chef-d'œuvre. Ça y est, tu commences à t'énerver, Iggy. Ça commence à être intéressant, là. Ça y est. Tu commences à t'énerver. Là, c'est bien, là. Si tu commences à sortir des crafts de fou, là, ça va être bien, là. Non, il n'y a plus de Z pour l'instant, mais ça va pas tarder à repartir. Effectivement, je peux libérer. Reynolf. Oula, Yuki Kanton, allez hop, c'est bien, ça vous fait monter la mêlée. Beaucoup de travaux à faire là-dessus. Hein. Sur ce grand groupe électrogène, normalement Iggy, tu vas assurer. Iggy, Jekyll, pardon, tu vas assurer. Jekyll, d'ailleurs, tu viens de passer 15 ans en construction. Je sais pas si tu veux prendre des boosts. Au niveau des compétences, il t'en reste. Hein. Je rappelle qu'on peut aller jusqu'à 10, ce qui est plutôt énorme. Pour les prochaines campagnes, comme j'ai dit au précédent épisode, je mettrai moins. Je mettrai probablement, je sais pas encore, j'hésite entre 4 et 6. Mais en gros, on baissera. On baissera cette opportunité que je vous ai donnée. On a goûté, on a vu que c'est quand même puissant. Donc on baissera les chiffres. Alors, revêtement de sol, réparation, architecture, bâtiment. Donc vitesse de construction c'est pour les bâtiments, architecture c'est pour la chance de réussite et la qualité, réparation, vitesse de réparation. Et après on a le sol, vitesse de travail du sol, ce qui est moins important on va dire. Oui bien sûr que je peux faire un screen que tu regardes plus tard. Hop là, je te mets ça sur le Discord. Hop là, c'est envoyé. Un colon a besoin de soin. Quoi Yuki, qu'est-ce qui se passe? Putain, t'as toujours un bras d'acier pourri, Yuki. J'en suis où au niveau des prothèses là? On en est où au niveau des prothèses qui vont bien? C'est la merde, hein. Toujours rien de fait. Hein. On peut pas être partout. On gagnera du temps dès qu'il y aura ça de construire. Ah d'ailleurs, il me faut du plastacier, une puce IA avancée. Comment je fais une puce d'IA avancée? Avec ça. Waouh, là ça devient rush aussi. Ok, Reynolf. Reynolf beaucoup plus rapide. Putain, je vais pouvoir voir la production d'électricité. Allez, on ouvre la vanne. ...16 000 d'énergie produit. Laissez-moi vous dire que là, on envoie du lourd. 16 000 d'électricité. Oui, je leur permets de rentrer.
Putain. Par contre, c'est bien de produire 16 000, mais ce qui sera encore mieux, ça serait de relier tout ça au réseau électrique. Parce que là, ça fait un petit peu n'importe quoi. 72 litres par jour, presque deux pleins de ma bagnole. Ah, tu fais pas de construction. Ah, the judge. Oh. On a déjà fait la puce. Parfait. Hey, The Jude, il prend bien son rôle à cœur. Je dis qu'il fallait faire le truc à l'intérieur. The Jude, par contre, fais-le bien. Ok, donc je disais plus 16 000. Donc là, on est bien. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est combien de litres par jour il fait, lui? On va pouvoir augmenter la production. Là c'est par heure et là c'est par jour. Oh bah là on va en produire largement assez. 7 500, allez hop. Retour des zombies. On ferme les portes. Fournisseur militaire, c'est qui ça? Oh merde. Par contre il faut vite aller. Jekyll, Jekyll, Jekyll. Vite, 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 vite. Avant qu'ils se cassent. Commercer avec eux avant qu'ils se cassent. Parce qu'ils vont se casser là. Ok. Parfait. Laisse-les rentrer. Parce que j'ai pas envie d'aller chercher leur matos à l'intérieur. À l'extérieur, pardon. Et là, c'est bon. Là, on peut aller commercer. Comme ça, on n'aura plus qu'à se servir par terre. Alors, j'achète tout ton chocolat. C'est des grossistes. Hein. Ils ont 35 000 de thunes. Normalement, ils sont censés donner des trucs. Hein. J'achète tout ton tissu parce que je n'en produis plus. J'achète tes composants avancés parce que c'est chiant à faire. Tes composants classiques parce que c'est le nerf de la guerre. Alors, maintenant, on en est où? L'engrais parce que j'en ai plus. Oh, des anchois, on en a plein. Ça c'est cool. L'acier, ils avaient de l'acier aussi. L'acier, on prend. Même si dans pas longtemps, on va en faire de l'acier hein, en boucle. En boucle, on va produire de l'acier, c'est moi qui vous le dis. Les émeraudes. Allez hop, on vend. Parce que alors ça... Les émeraudes, je vais en faire en boucle, il n'y a pas de souci. J'ai un mec sérum 100%, ça c'est bien. Putain, c'est pas cher payé la merveille, hein. 195. Putain. Bah écoutez, c'est pas grave, ça fait une petite facture à 3 700, mais c'est largement acceptable. Enfin, on va refaire un tour, attendez. L'acier inoxydable, j'ai du stock. Quoique, si je veux faire des lits, je vais acheter. Parce que des lits au niveau des hôpitaux, rappelez-vous, il fallait de l'acier inoxydable, pardon. Ah, cool. Sinon, je te plains, effectivement, là, dommage. Des épices. Pendant qu'on y pense, on en achète. Eh, les grands esprits se rencontrent, Tikan. Réimplanteur, c'est quoi ça? Comme c'est moi qui l'ai de toute façon, c'est moi qui l'ai, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Canon renforcé, j'ai du stock. Le neuro-entraîneur, c'est moi.
Ok. Je peux acheter un peu plus de viande au cas où. L'hiver sera peut-être rude. Let's go! Voilà. Non, non, l'hiver sera peut-être rude. On sait jamais. Pourquoi les mecs, à chaque fois... Faire une mission militaire, ce serait bien qu'il arrive. Les mecs, à chaque fois qu'ils veulent me faire une extorsion, ils me proposent ça pendant qu'il y a des aides. Mais qu'ils viennent! Je rejette qu'ils aillent bien se faire téter les yeux, quoi. Écarte tes troupes de chez moi ou je crame ton pays. C'est assez simple comme vocabulaire, ça. Ok, c'est un raid. Oh putain, ils sont nombreux. Ah, ça y est, ça commence. Le jeu ne retient qu'une chose, les gens. Le jeu retient ça. La courbe de richesse qui monte et qui va ne faire que monter. C'est moi qui vous le dis. Donc il va falloir que j'augmente petit à petit les défenses passives de la base et pas uniquement ici au sud. Parce que des raids comme ça, on va l'avoir de plus en plus. Alors là, ça tombe pendant les aides. Donc ce qui devrait plutôt bien se passer. Néanmoins, il faut faire attention. Ah, puis c'est des groupes tox. Oh là 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 là. T'as vu ta viande? Oui, j'ai vu que j'avais plein de viande. Mais comme je te dis, l'hiver sera peut-être rude. Alors. Lui peut pas produire assembleur basique. En fait, il me faudrait un assembleur avancé. Je vous explique pourquoi, parce que normalement, dans l'assembleur avancé, assembleur basique. Je veux faire des obus. Je veux faire des obus. Je pense qu'à mon avis, il y a moyen de faire des, il y a moyen de faire des obus là-dedans. Voilà, il va falloir que moi je commence à en produire. J'ai peut-être pas la technologie là-dedans pour les faire. J'ai peut-être pas la technologie tout court. J'ai peut-être pas poussé la technologie. Non, c'est pas les obus anti incendie, c'est les autres que je veux. Si, normalement, je peux. Établi d'assemblage. Ah, le tungstène. J'ai cru voir un lance-roquettes chez eux. Ils vont pas attaquer les mechas. J'espère pas. Sinon, bah écoute, on va s'adapter. Ok. Alors, jusqu'à en avoir. Peut-être pas 500, on va se calmer. Une centaine. Alors, je sais que j'ai pas d'essence ici, donc je vais en mettre. Zone de stockage ici. Tout effacé, critique, chum fuel. Et on va en mettre 50. Je vous cache pas que si jamais j'ai un incendie ici, c'est une catastrophe absolue. Donc je pense que dans la foulée, je vais faire l'extincteur mousse. Je peux pas faire d'extincteur. Rimfueler, j'ai pas d'extincteur encore. On va y réfléchir à ça. Hein. Napalm de 3000, synthétique, plastacier. J'ai pas les extincteurs. Extincteur, lutte contre l'incendie. On va y réfléchir, hein.
Ça serait bien d'y réfléchir. Je dis ça dans le feu très vite fait, je dis rien. Un peu de BUM ferait pas de mal. Bah déjà, il faudrait que j'aie un véritable emplacement à pas de tir. Là, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Là, on va essayer de refaire tirer Gigi. Gigi qui avait la main plutôt chanceuse. On va essayer de faire pareil. Alors, oui, ils ont un lance-roquette triple. Qu'est-ce qu'ils font là? Ok, ils attaquent. Ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Cool, j'ai une tourelle de dispo. Allez, Gigi, monte. T'es enceinte. Allez, vite. Ça, je m'en doutais. Ok. Bah c'est la guerre là. Allez, Katniss. La balle canon à main de Rust a manqué de justesse Trenolf, esquintant le cœur de Katniss et détruisant le torse. Down, 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 down. Alors, et je pense que ce n'est pas fini.
Attendez, je cherche quelque chose. Venez faire du commerce ici, les copains. C'est vachement mieux que là-bas. C'est Kina, t'es encore un petit peu jeune pour te battre. Ouais, ça nous fend le cœur. Je sais pas du tout ce que ça donne à l'intérieur pour toi, Jekyll. Je sais pas si je peux te sélectionner. Je sais pas quel est ton état de santé par rapport au gaz. C'est la grosse surprise. Est-ce que vous avez la réponse, les gens? Run. Il est safe, je crois. Ok, mais c'est le je crois qui me fait douter. Mais pas certain. Ouais, bah oui, d'accord, c'est le principe. je sais pas où est le lance-roquette. Ici, j'ai un lanceur de bombes Tox. Ben voilà, attaque de pion. Où est le lance-roquette? Ah bah il est là. Oh putain. Il est ici. Alors rassure-moi, c'est à tirage unique cette saloperie, hein. Je crois que oui, hein. Que sur cette combo là d'armes qui m'en tire pas plusieurs. Ta ligne de meurtrière, faudrait faire des murs entre pour avoir des zones de couverture. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quentin, tu es où? Ah oh bah c'est le moment. Je suis touché, retraite. Ouais, t'as pris une bastos. Ok. Il se barre.
Bon, Katniss, dégoûté, t'as pris une balle en plein cœur destinée à Reynolf à la base. Je vais faire un bunker au nord aussi. J'ai hésité tout à l'heure, mais de toute façon, j'aurais pas eu le temps. Mais là, c'est chaud là. Ce bunker-là était pas opérationnel parce que justement, j'avais pas le cuivre qui avait été tiré pour l'alimenter. Gigi, t'as bien pris cher. Gigi, tu as pris une flèche en tout début, ça va. Ici, ils sont en train de se friter entre eux. Jekyll. Ok, Jekyll, t'es 100%, 100% safe. Par contre, faut peut-être pas rester. Peut-être pas pousser le vice non plus, Jekyll. Donc il y a la ventilation dans les bunkers, exactement. 29% pour la tourelle sud, 36% pour l'est. Oui, j'ai vu. Elles ont pris cher. Bon, dégoûté, Katniss, putain, dégoûté quoi. Oh là 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 là. M'en parle pas, Reynolf, prends tes balles. J'ai pas dit fort. Ah bah faut ce qu'il faut, hein. Oh putain. Normalement, ça c'est opérationnel. Donc, affecter colon. On va pouvoir transporter. Où est-ce que t'es transporté? Pop, 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 pop. Non, pourquoi ici, bordel? Je ne crame pas les mecs de chez moi là. Humanoïde, mais pas les corps de colons, bordel. Tranquillement, je vérifie, hein, parce qu'à chaque fois, c'est la petite angoisse qui va bien, ça. Gigi a dû être secoué avec le lance-roquette. Bah écoute, hein, ça a tenu. Bon, de toute façon, on a dit qu'on pouvait rien en faire, eux, c'est avec les, comme c'est les mecs qui sont shootés au yayo. Alors lui par contre m'intéresse avec son armure là. Armure de commando. Un courageux. Iggy, t'es courageux, toi. Bon, on a bien vu que les tourelles ici c'était pas ouf. Hein. Bon après ça sert quand même un petit peu, mais il faut pas que je les colle plus quoi.
Là, ici, là. Là, là, là. Et la calache aussi. Il y a une bonne calache. Hop. Et on revient là. Ok. Optimisé hein. Yuki est encore mobilisé. Ah oui, pardon. Est-ce qu'ici ça a été soigné là? Ok. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord, Galgrad. Ok. Bon, c'est qui le cuistot là déjà? C'est Galgrad, hein? Non. C'est qui le cuistot? Canton, c'est vrai. Canton qui a l'infirmerie. On va se laisser de soigner et après on fera la cérémonie pour ce Katniss. Alors. On a dit que c'était la cérémonie. La cérémonie. Le pathing. Il est où sécurité? Il est là. Orange qui devait foutre le bordel. Même pas. Je dois avoir d'autres trucs. C'est rose. Rose n'est plus utilisé. Je supprime. Et nous allons faire donc un bunker. Nous l'appellerons le bunker Katniss. Précédent stream, on avait la défense d'Azigi. Bah là, nous aurons le bunker Katniss. In memoriam. Oh là 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 là, c'est un peu le bordel là au niveau extraction. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Pourquoi j'ai plus de... Pourquoi c'est pas alimenté électriquement cette histoire? Hop. The Judge. Non.
Ah, puis ça, c'est plutôt violent, ouais, comme, comme truc. Hein. C'est violent dans le sens où... C'est violent dans le sens où, où la balle, tu l'as prise, mais bah, y a même pas eu de... Enfin, il me semble pas. Il me semble pas que je t'ai vu prendre une balle en disant « T'es blessé, faut que je te retire » ou autre. Non, non, tu l'as prise... Tu l'as prise direct, quoi. Qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi je peux pas faire un virage, bordel? Je sens que ça va m'énerver, cette histoire. Merci. Bon, ça arrange pas trop, mais merci quand même. Ici, stockage. Ok, c'est limité. Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient de faire boum? C'est un Z ça. C'est ici que ça a sauté. Bizarre, c'est là que ça a explosé. Laisser d'ailleurs de beau là cette caravane. Alors encore un fusil bullpup. Ouais, rien de fifou quoi. Là, il y en a un qui s'est fait bouffer. Là aussi. Probablement ici aussi. Ok, on verra quand ça se calmera. Ciao, ciao, Reynolf. Alors. Canton. Pourquoi je peux pas affecter un colon? C'est quoi ce bordel? Bon. Consommer. On va pas consommer. On veut mettre dedans quand même. Pourquoi dans les sarcophages je peux rien mettre? C'est quoi ce bordel? Trop lourd? Non, je pense pas que ce soit trop lourd. Non, il doit y avoir un truc là. J'ai un problème au niveau de l'affectation. Alors attendez, je sauvegarde, je reviens. J'ai l'impression que les sarcophages sont buggés là.
Normalement, au niveau des blessés, on est propre. Galgarade. Ah, petit bug. Petit bug, petit bug. Allez, Katniss. Enfouissement. Let's go. C'est très, 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 très gros ici, hein. Beaucoup de Z dans le coin. Allez, la cérémonie, ciao copain! C'est une catastrophe. Ah, mais moi j'ai toujours les... Oui, Kago, clairement. C'est là parce que Iggy va travailler en boucle quoi. Le ciao copain était terne, le discours était interminable, il n'a réussi à déclencher aucune émotion. Toutes les personnes qui ont participé à ce rituel gagnent moins un d'humeur pendant 6 jours. Je sais pas du tout pourquoi il y a personne. Il n'y a que 3 personnes. Pourtant, des cérémonies. On se calme, Gérard. Des cérémonies où est-ce que les gens ils restent dans le couloir, il y en a déjà eu, donc je sais pas du tout. Ok, c'est en train d'arriver en boucle là. Alors, Galgarad, patrouille rouge. Quentin, patrouille orange. Et Malo, patrouille rouge aussi. Ça vient de faire boum sur l'entrée principale. Alors, je sais pas pourquoi. Vu la taille de l'explosion, la porte, je sais pas comment elle a fait pour survivre. Ah putain! L'autre, il a son sac qui tire, mais j'y crois pas! C'est énorme. Il a son sac qui tire automatiquement. Alors, c'est pas son sac parce que ça a l'air d'être un sac tox. Alors je me demande comment ça se fait que c'est attiré quoi. Ouais d'accord, c'est les mecs qui sont transformés en Z. Mais de où ils tirent des. Ils tirent quoi. Jekyll,
Tu vas passer en patrouille noire pour aller me calmer ça. Boys, patrouille rouge. Ciao ciao Galgarad. Non mais il se fait tirer dessus ou quoi? J'hallucine quoi. Non mais il se fait tirer dessus Je sais pas par quoi. Non, c'est bon. Alors, je crois que les mecs, ils avaient des sacs qui tirent automatiquement, mais je les ai pas vus. C'est des sacs tox qu'ils avaient sur eux. C'est comme le mec qui a explosé ici. Hein. Je sais pas ce qu'il a explosé. Hein. C'est pas un Z avec un sac explosif, parce que quand tu vois le rayon. C'est comme si qu'il avait un obus sur lui et que l'obus a pété quoi. Ouais, peut-être les munitions, t'as raison. Ah oui, peut-être les munitions lance-roquettes, c'est une bonne remarque ça. Ok, Jekyll, je te sors de ta patrouille. Boys, je te sors ta patrouille. Malo aussi. Pareil pour toi Galgarad et pareil pour toi Quentin. Faut se reposer là. Nord-est, non je renvoie non. Eh ben, oh, il me manque du ciment pour ça là-haut. Oh la loose. Ciment, ciment, ciment. Ah oh, putain, je pensais en avoir assez.
Ok, bon, j'aurai au moins un certain nombre de blocs de prison de dispo. Oh, pourquoi? Emplacement déjà occupé? Qu'est-ce que j'ai ici? Un truc de patrouille? Non. Ah! Un vieux truc de patrouille. Violet, pardon. Alors, tout à l'heure, on disait que c'était peut-être pas relié. Effectivement. Ah putain, il veut faire un pont. Non, mais arrêtez vos conneries là. Je vais doubler. Je vais doubler. Re-explosion. Je sais pas où. Oh. Ici. Ça commence à devenir actif, voire limite un petit peu oppressant, ces explosions sur les remparts. Je dis ça. On en est où ici là? Cadre de machine avancé. Plast acier, composant. Alors les composants c'est bon. L'acier, j'en ai plein aussi. Cadre de machine avancé. Cadre de machine avancé. Répéter jusqu'à en avoir un. Iggy, normalement c'est à ta portée. Manque 80 d'acier. Non. Il manque pas 80 d'acier, c'est juste que l'acier est utilisé par d'autres personnes actuellement. Voilà, maintenant tu peux le faire. Ok. Le minage c'est fait. Putain, tous les barbelés ont pété encore. Oh putain, c'est vrai que The Judge, tu as Alzheimer quoi. Tu sens que le jeu s'acharne là? Qu'il est en train de faire popper des trucs à gauche à droite? Les armes. C'est pas tout ça, mais ici c'est complètement grippé. Hein. Complètement grippé.
Niveau défense passive, tu n'as pas de nouvelles recherches mieux que les barbelés. En Vanilla Security, j'ai quoi? Alors, j'ai des canons sentinelles, équipement de siège. J'ai les tourelles déployables que je pourrais rechercher. Tourelles déployables, donc en haut, qu'on peut sortir un petit peu en boucle. Mais qui consomment de l'énergie. J'ai des défenses simulées. Je vais rechercher ça. C'est le bordel. J'ai déjà eu des campagnes, plein de campagnes, parce que c'était le bordel au niveau des coffres. Mais alors là, l'industrialisation, il y a de la marge encore. Pourquoi il me sort Alors, sortir dans toute la zone de stockage. Merci. Ah, je me disais aussi qu'il manquait une option. Pour désengorger tout ça, là. Galgarat, patrouille rouge. Malo, patrouille noire. Quentin, patrouille orange. Mon dieu que c'est le bordel. Et j'ai pas augmenté les aides. Alors je vous cache pas que j'ai hésité à cet épisode à augmenter les aides. Façon de dire, bah c'est bon, ça commence à être large en termes de défense. Donc voilà. Je l'ai pas fait.
Mais j'ai hésité pour cet épisode. Est-ce qu'on te fait non, on va attendre un petit peu, on va attendre un petit peu. Mais je compte bien augmenter les zombies. Hein. Ça va passer. Quentin, patrouille noire. Faut aller aider notre cher Malo là. Et puis les barbelés donc en. C'est un petit peu moyen là, ça aide pas assez. Je peux te mettre en patrouille noire. Avec ton lance-flamme. Oh putain! Ils ont pété la porte. Aïe. Alors heureusement ils sont encore isolés dans un sas en fait. Tant que tu te prends pas un retour de flamme, ça me va. Hein. C'est lui là qu'il faut flinguer là. T'as pas de vue sur lui là? Attends, il arrive. Ah attends, mais c'est Iggy là. Non, je parle de Jekyll là. Tu n'as pas une vue sur lui. Merci. Qu'est-ce qui a pété là? Il y avait quoi par terre ici qui a explosé? Entre dans l'installation. Reynolds, faut que tu viennes. Faut que tu viennes. Des munitions? Ok. Oh la vache! Le jeu m'a entendu quand il disait que je voulais augmenter les zombies? Ou il se fout de ma gueule là? Waouh! T'imagines, eux ils passent au milieu, ils font péter ça. Ah, puis ça vient du nord et ça vient fort là. The Judge. Viens faire ceci en priorité. Iggy. Viens ici. Galgarad. Galgarad, t'as pas l'âge pour mettre un grand sac à dos là?
L'enfant ne peut pas porter un kit de sac à dos. Ah putain. Attends, les munitions, j'en ai encore là. Je vois que c'est la merde là. Oui. Ok, c'est pourri. Eh ben, vous savez quoi, les gens? Makina, tu as raison. On va s'arrêter là, les gens. Sur ce petit cliffhanger, où est-ce que nous avons du monde qui arrive au sud. Nous avons une vague à 100%. Et nous avons pas mal de choses qui arrivent. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous souhaite à toutes et à tous donc une bonne nuit. Merci beaucoup de votre soutien, de votre fidélité, des follow, des subs, des resubs, des bits. Merci énormément. Et je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain. Bye bye les gens.